Révocation, commissaire Jean-Ernest Muscadin. C'est ça? Que nous avons pile moun qui pas traîné Jovenel, qui pas de vle Jovenel, qui te attaqué Jovenel pendant 4 ans, 5 mois, jusqu'à ce que yo touye Jovenel, et qui kembe position yo après assassinat Jovenel. C'est ça que moi tout moun sa souhaité, et c'est ça que yo vle. Maintenant, qui ça fait que moun yo go facilité pour que yo di fuck yo révoque Muscadin, fuck yo arrête Muscadin? Parce que li pas difficile pour nous comprendre ça. Parce que si que nèg yo capable travailler pour river aboutir avec assassinat yon chef d'état, m pa kwè que ça trop petit pour nèg yo di fuck yo révoque Muscadin, même ta tuer Muscadin ou bien arrêter Muscadin. M pa kwè ça trop petit. Mais maintenant, qui ça ou même en tant que population qui vive dans le sud, qui vive Grandens, qui vive dans Nip, qui ça que ou même en tant que haïtien qui c'est moun nan grand sud là qui a vive dans diaspora, qui ça que Muscadin représente pour vous et qui ça que ou décide dit ou bien fait avec moun sa yo? Et c'est ça la question. L'autre bagay qu'une capable dit, raison qui cause moun sa yo à l'aise pour attaquer chaque moun qui prêt pour aider ou sortir dans situation du moins qui pour prendre défense ou comme majorité, raison qui cause nèg yo tout un petit groupe moun toujours prêt pour attaquer sans que yo pa gen pièce inquiétude, c'est parce que yo connaît que ou même personnellement en tant que majorité ou toujours rete dans silence ou toujours peur si kal violence que minorité ça fait contre ou pas jamais décidé pour attaquer yo à la hauteur de ses actes. Si nous permettons de répéter le comme ça. Mais si vous te posez action concrète pour te montrer yo, yo gen pinga yo, yo pa ka faire n'importe bagay, moi garanti yo. Yo t'a réfléchi 10 000 fois avant de faire ça. Ou tu moins est-ce que pas senti que yo recevoir un grade le 6 pour 7 juillet 2021 avec assassinat chef l'état pays a qui c'est président Jovenel Moïse. Est-ce que yo pas senti que yo recevoir un grade? Parce que ouais que la justice pays a bail mandat pour aller faire coup d'état 6-7 février 2021. L'état arrête et gouvernement arrêté yo, la justice pays a libéré et comment les poutis ça yo moun qui te fait tentative coup d'état yo. Et puis quelques mois après, même moun yo rassemblé toute force yo al passer à l'action, et ceci physiquement yo assassiné président pays a qui c'est président Jovenel Moïse. Et parce c'est comme si nos pays côté que la justice, je que tout le monde dit, la justice élève une nation. La justice. La justice dans un pays. Nous connaissons ça, ça veut dire. Le yon groupe moun qui a fait mal dans la société, yon joue un support de juge qui l'en apparaît judiciaire. Messieurs, dames, ou pas tap kage l'autre pays que pays kogue la. Ou pas tap kage l'autre Port-au-Prince que Port-au-Prince kogue la. Ou pas tap kage l'autre classe politique que classe politique d'assassin. Ou pas tap kage l'autre classe criminelle que groupe criminel qui dans le secteur privé des affaires là. Ou pas tap kage l'autre groupe moun. Mais par conséquent, qui ça n'est capable fait pour nous permettre que pays sorti dans sa quelle nouvelle là? Et c'est ça qui est important pour nous. Qui ça nous capable de faire pour nous permettre que Haïti sorti dans sa quelle nouvelle là? Jodi an, c'est dimanche 29 septembre 2024. Son bel jour, hein? Dimanche 29 septembre 2024. Alors encore une fois, n'a remercié chaque grand ami qui te souhaite nous bonne fête dans date qui était 26 septembre 2024 là. En pile zami proche nous, en pile zami qui pas attendre longtemps, en pile
anciens condisciples non et camarades non justement qui nous pas parler mais date ça et quel l'homme dit nous pas parler ça veut dire que nous grand pile temps nous pas attendre et ben date ça te fait que nous reconnecter ça fait un plaisir et grand pile amis tout qui te reconnaître nous petit gens là ça nous tient petit mais et peut-être que la vie fait que nous pas dans même espace encore moun sa yo nous reprend contact ensemble avec moi mais c'est dans date spéciale là qui c'était jour anniversaire là qui c'est 26 septembre côté que nous gon nouveau printemps yon l'autre récolte café qui était monté sous tête nous ça veut dire que nèg a prend échelle là oui nèg a prend échelle. N'ap salué zanmi nou madame Evelyn Louis depuis Boston, n'ap salué Major, n'ap salué madame Adeline, n'ap salué madame Ariana, n'ap salué tout zanmi depuis Boston. James qui va jam fatigué tant d'émission ça, artiste James C, ancien chanteur Crazy musique, m salué ou frèm bon bagay, en pile respect. M salué tout zanmi New York point yo, tout zanmi k'ap tande nou Maryland bon bagay et tout zanmi k'ap tande moi justement k'ap travay et bon ambassade d'Haïti et bon pas besoin dit qui côté parce que pas besoin connait yo États-Unis et aux États-Unis d'Amérique et me saluer nous ça fait plaisir moi mais veyo et soyez en pile respect pour nous ça fait plaisir me senti alors moi c'est voir de tout cœur hein? Et parce que moi qui n'a parlé avec cœur et jou ça fait moi dans quel niveau que nous remet travail ça nous remet plateforme non ça fait plaisir en pile et nous remercier chaque grand ami qui t'a partagé cadeau ensemble avec nous qui te fait nous qui te ba nous cadeau moi remercier nous tous amis justement qui ba nous soyo c'est plus gros cadeau c'est meilleur cadeau tous amis qui te prier pour nous dans date ça reler nous prier pour nous voice prier pour nous ça fait nous plaisir et bon que bon Dieu bénisse nous tout que bon Dieu bénisse nous et me promettre nous Jean que nous dit là nous pas changer n'a que même ligne là pas oublier et nous porter émission pour l'an pour chaque 6h de l'après-midi 6h pm c'est l'heure que vous avez une live Paola. Live bon gens information. Live et tout ça qui passe pendant journée. Live bon gens analyse là. Live avec des commentaires sans que nous pas positionner nous quelque ou du moins bon naturellement qu'on est position information avec plateforme non mais live Paola, émission Paola 6h PM dans le pays d'Haïti et 6h tape hein? N'a pas une émission par nous en chaque jour et prend responsabilité prend engagement pour que nous capables et porter coller dans live par nous en émission par nous chaque 6h PM dans le pays d'Haïti que bon Dieu bénisse nous que bon Dieu bénisse Haïti chéri nous en avancer en pile monde t'a souhaité que yo t'a va révoquer commissaire Muscadet mais n'a dit que li impossible et m'a demandé public là al garder qui est kap mande pour évoquer Muscadet al gade zami moun sa yo al gade patron moun sa yo al gade ki kote yo teye en 2019 2018 et bien n'ap comprendre al gade ki position ki yo te genyen sous 7 février 2021 et bien n'ap comprendre al gade ki position ki yo te genyen al gade ki jan t'ap réjoui célébrer fêter nan date ki te 6 privé 7 juillet 2021 avec assassinat président Jovenel et c'est ça qui est important et bien n'ap bam n'a pas facilité pour que nous capable ouais côté positionné yo et font pas la veille. Elle est très important. En plus de ça tout, n'a continué supporter commissaire Jean-Ernest Muscadet parce que nous estimons que l'a travaille pour majorité a. Nous estimons que l'a travaille pour monde grand sud là, pardon, l'a travaille pour monde dans Nip, monde dans sud, monde grand dans, li protéger population haïtienne là qui dans grand sud là et Muscadet vint sans seconde couverture nationale et internationale. C'est parce que tout simplement, ça fait tout n'est capable de parler, attaquer Muscadet, dit ça, vous voulez? C'est parce que tout simplement, commissaire Muscadet, ou ambition politique que le baguette. Sinon, toute parole en pile là, t'es fini. Si commissaire Muscadet, t'es gagné, y'a ambition politique. Même j'ai toute mafia politique, toute bluffeur politique. Toujours à chercher de couloir pour traiter yo. Si commissaire Muscadet
t'as cherché exploiter ça que le gars là comme popularité, moi garantis non. Le comme ça, Jean-Ernest Muscadet, t'es en dedans, pas le national, ou bien primature là. Le comme ça, révolution, bataille n'a parlé de lien, le comme ça nous dérivé espace, exactement espace pour que nous fait là. Et me dit, joie bête là, pas manquer qu'elle. Attaquer le bête là, pas manquer qu'elle. Il me toujours dit, révolution pas jamais faite sans sang pas couler. Muscadet, il symbolise exactement ça le symbolise. Tout criminel, moun ki méchant yo, pas vle Muscadet. Moun ki assassin yo, pas vle Muscadet. Moun ki gang yo, pas vle Muscadet. Ça pour comprendre, avant comprendre. Révolution liée. Révolution pas manifestation, révolution pas fête nan criant dan. Révolution c'est marcher prend garçon, on prend exemple cérémonie bois caïman. Révolution pas personne pas gain sang, révolution c'est à manchette bâton. Révolution vle di marcher prend yo, système pesé sous ses enfants démasqué yo. Peuple a déjà bon oui. Révolution, moi commencer. Population nan si, population nan non, levez campé. Bouchon bouchon dit l'autre. Révolution, on va commencer. L'Est, l'Ouest, on allait. Paysan déjà bon, les arrivés. Mais ça va aller, bataille pays à se nouiller. La patrie en danger, révolution, on commence. Police nationale, on allait, bataille pays à se nouiller. Bouchon bandit malgré qu'une révolution, on concerne. La médaille ici, on allait, devant ce pays à se nouiller. La patrie en danger, n'a qu'un peuple à poule camper. Peuple ici, on allait, Haïti, c'est pour nous. Guy Philippe devant, peuple à Dayel, nous fait 2004, allez voir 2024. Guy Philippe devant, peuple à Dayel, nous fait 2004, allez voir 2024. Et nous prenons le marché pour assassin criminel, yo. Voilà. Tout parle en pile autant de ya. Tout voye monte autant de ya. Tout sort en de cap fait là, c'est parce que tout simplement, commandant chef révolution, qui se commandant Guy Philippe, pas décidé, ou du moins, pour qu'on elle, dans la phase côté que nous t'avons mettre un petit piment. Sinon, le conseil nous pas là. On va dire non plus. Bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté que vous attendez nous et vous regardez nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous pour que nous ensemble avec vous sur la plateforme Paulan, qui est la plateforme YouTube. Info, bientôt. Après, nous partager, commenter, like et puis abonner avec la plateforme. Nan. Et parce que là où vous abonnez, vous agrandissez les familles. Parce que je dis ainsi que nous sommes capables de arriver à plus de 197 000 familles. Et bien justement, faites-nous arriver dans 200 000 parce que l'objectif là, c'est sigue pour nous gagner en pile, les amis. Qui connecte avec nous dans la plateforme YouTube Info Bertoa. Abonnez avec plateforme ça, plateforme YouTube Info Bertoa. Yon zami poste émission, nous pas de problème. Mais sauf que, ou voulez tende et garder émission Info Bertoa sans qu'on page une pièce vieille image sous sa cap passé. Alors, vieille image de Haïti, parce que nous-mêmes nous vendons une belle image. Nous avons une vraie image, mais nous pas une vieille image que la bout de le senti. Tout le monde connaît que vérité a déjà. Mais par conséquent, est-ce que je dois poster toute qualité vieille image sale de Haïti? Ça veut dire que si un monde prend émission Info Beto ou poste sur une plateforme, me dit on pas de problème ensemble avec ça. Mais par conséquent, pas attribuer, pas mettre vieille image pendant que on va utiliser audio ou retirer vidéo Info Beto à côté tout le monde après m'a parlé ou kembe audio. Et puis par conséquent, on mettez vieille image fatra la boule de senti gang capturé policier capturé gang. Non, baladan pas fait, et si nous faisons, nous ne pouvons pas tolérer. Quelque soit ce qui fait, nous ne pouvons pas tolérer. Nous tous, nous pas de problème. Nous postons l'émission Info Beto, nous disons bravo. Kembe là, pas de problème. Mais par conséquent, prends toute qualité vieille image sale de Haïti pour nous mettre sur le podium, nous ne pouvons pas prendre. Parce que nous avons trop plainte.
trop bien dans la diaspora, dit Mbeto, mais on regarde telle vidéo de tel côté, il y a telle vieille image, telle. Et mal regarde la vraie. Bah, il a senti, bah, il a sale, mettre là. Alors, moi, je vais parler, et puis je vais mettre le fatra souvent maintenant. Bah, d'accord, monsieur. Faites attention. Et bah, j'aime non-tolérance, non? Faites attention. On avance. J'aime dire l'en partager pour nous, commenter, like, et puis abonner. Vrai, émission InfoBeto, tout le monde qui veut l'étendre, l'étendre sur la plateforme YouTube InfoBeto, et vous regardez vidéo avec InfoBeto. Très bien. On avance. Et. Nous disons clairement, pour le commandant Guy Philippe, qui est avec Pestel, Grandas, commissaire Miskade, qui est avec dans le sud, Okaï, mais qui est commissaire Miragouane, nous avons Pasteur Moïse, qui trouve dans le nord-est. Nous avons un pilote compatriote encore, ministre Nader qui parle au prince, arabe qui parle au prince, heureusement Jacques parle au prince. Nous avons un Clef Jacques dans la diaspora, un pilote haïtien conséquent qui au niveau de la diaspora haïtienne. Nous avons plusieurs amis qui sont dominicains. Malheureusement, je disais qu'après nous, c'est des vies qui n'ont pas à souhaiter. Mais malheureusement, et quelque part obligé, je ne connais pas, mais obligé. Haïti, quand je route là, nous avons sorti Haïti là. Il y a un pilote haïtien qui dit bientôt, Edgar Leblanc fils, fait un gros coup au niveau des Nations Unies. Si que, moi-même, David, là, pour me dire que Edgar Leblanc n'a pas fait un bel discours, qu'on est franchement, je t'ai pêché, mais par conséquent, je souhaitais que nous étions cohérents. Je souhaitais que nous étions cohérents. Pour nous dire clairement, discours Edgar Leblanc fils là, les charger incohérence là-dedans. OK? En dans même discours, il y a que moi-même pas apprécié. Mais je me dis là, je pas kembe parti que Edgar Leblanc fils fait qui gagne une série de pour moi-même parce que qui pas paraît qui pas cohérent même pas même veut répéter bon bagaille pour de l'eau même mal plus loin tellement elle fin passé m'accepter que le passé li irréparable mais quelque part on série de discours côté que ou ap répéter non zansèt nou yo papa nation on sait de discours côté que ou ap réclamer réparation restitution dette que la France te mette couteau dans gorge nous pour te faire nous payer indépendance que nous te prend sous sang ça a mérité de trois coups de l'eau vraiment désolé hein? Parce que tout le monde connaît que je me lève en province. Grand monde gonja qui le parle, grand monde gonja qui le fait affaire. Je dois dire, ouais, dans ce sens-là, tout. Si que moi, mal, ouais, dans ce sens-là, on va raconter moi, non? Mais est-ce que moi-même, je dois compter mon tout qui fait blague avec Poudloa? Non, je ne vais pas dire ça. Ou d'accord avec moi? Je ne vais pas dire pour me compter mon qui fait blague avec Poudloa. Ça, quand j'en dérange, l'homme dominicain prend pour faire blague avec lui. Mais par conséquent, est-ce que je dois aller dominicaine qui prend lui pour faire blague avec lui? Non, vous le faites vrai. Li fait vrai. Ça veut dire que si que me fâche avec tout le monde qui fait blague avec ça, c'est que m'accepter que n'importe monde qui représente Haïti fait même meilleur ça sous tribune des Nations Unies. Non. Mais moi-même, bon côté pam, on ka relon façon, on ka décider minimiser question et côté que monsieur parlé de force multinationale qui prend la médecine en métier de paix, qui est-ce qui mettait Edgar Leblanc là? Edgar Leblanc était qu'à fond travail pendant que sous tribune des Nations Unies qui va le faire que nèg yo mandé pour le retirer dans cette CPA automatiquement Edgar Leblanc pas gagné que monsieur besoin dans la ville encore qui ça monsieur t'a besoin monsieur était capable camper sur tribune des Nations Unies pour trembler les espaces ta net oui pour monsieur tout dit clairement toute vérité aux gens oui fait que même secret service comme si Sindadjo pas même besoin vienne même sécurité oui mais par conséquent est-ce que Edgar Leblanc fils pas souhaité faire plus moi dans tête et CPTA. Et c'est ça. Ça, c'est de l'autre considération. Mais, je n'en pile appel côté que, il y a des amis qui disent, bientôt,
jeudi 29 là, Edgar Leblanc-Fils a pris entrée sous piste aéroport international Maïgatea et il faut qu'on mobilise quelques monde pour aller recevoir. Nous j'ai un pile d'amis. Pendant m'a dit ça, c'est deux amis qui pas dans qui sont baïe coulève cette trêpe. Mais pour conséquent, il dit pour image ça, yo voulez voir le baïe la Dominicanie, yo ta remet que peuple là aller recevoir Edgar Leblanc-Fils sous piste aéroport là. Est-ce que si gars haïtien qui déplace à le recevoir monsieur, est-ce que me dire contre yo? Non. M'pas de recoute yo. Mais par conséquent, m'a dit haïtien ça yon gren bagay. Pendant qu'on pas dans CP, ou encourage haïtien à le recevoir Edgar Leblanc-Fils parce qu'il font un discours sous tribune Nations Unies, ou konsa kal passe, mais qui danger gen dans ça? Chaque le, nou gon moun qui gen popularité, ou même comme peuple a campé derrière, un petit groupe blanc qui met dame vicieux avec groupe politicien, reste avec l'an, yon ap gonfle koyo, soit yon fout tout yon moun ça, ou bien yon fait choix dans l'autre moun qui. Qu'on pas qu'on est même. Il juste mette là. Et moun sa pral utilise tribune Nations Unies ou bien chaque grand espace pour le faux discours pour qu'il mette au dormi. Par contre, se comprenne. Pour le faux discours pour qu'il mette au dormi. Parce que je dis, nous connaissons que Edgar Leblanc-Fils pas gen trois moun d'elle. Mais je dis, avec discours qu'il fait, haïtien qu'on est, haïtien comme ça. Et tout nèg kap fait politique Haïti, qu'on sa la haïtien. Haïtien sont moun qui sensible pile de ou parler de discours comment elle de l'indépendance mandé la France pas oublier la France te kembe nou dans l'esclavage haïtien gè ça dans tête li il pa jambe doux il pa jambe douce envers la France l'oi se campé pour dire la France remet tout l'argent nous et puis réseaux sociaux la technologie a tellement avancé et puis nous média français relayer ça et que on dit effectivement d'être ça. La France t'a exigé la République d'Haïti payer d'être là. Et puis, exigé Haïti faire business force ensemble avec elle. Et c'est eux seulement qui ont avantage à dans. Ça veut dire que déclaration Edgar Leblanc-Fils là, il traverse les frontières. Nous d'accord avec lui. Il traverse les frontières. Mais maintenant, est-ce que Edgar Leblanc-Fils doit préserver tout au champ? N'a balle au champ pour image pays. Mais par conséquent, le Edgar Leblanc-Fils qui vient dans le pays, ou même comme peuple, pour prendre disposition pour pas jamais gon l'autre Edgar Leblanc-Fils qui rentre dans tête pays dans la condition de rentrer. Never. Et c'est ça qui est important. Pas attaquer comme monde. Bad bravo pour lui parce qu'il fait discours. Jeter incohérence. Je ne sais pas si vous comprenez, mais pas conséquent, vous là. Mais de fait, nous faisons tout ça qui est capable pour que nous retirions M. dans l'espace côté qu'il trouve là. Gagnez un pile d'amis qui fait intervention. Et suite avec passage Edgar Leblanc-Fils dans sous tribune Nations Unies, gagne en pile monde qui fait intervention. Parmi toute intervention qui fait yo, gagne ministre Affaires étrangères là qui réagit, gagne ancien ministre Travaux publics sous président Jovenel Moïse, Gaston Canson, qui c'est ministre Nader, qui réagit. Et en pile l'autre intervention encore. Mais parmi toutes interventions, ça y est, il est intéressant pour me prendre intervention ministre Nader là. Pablo ministre Nader, c'est un monde qui est dans la révolution. OK? Bon, nous avons analysé l'intervention. Et... OK. Nous parlons de ministre Nader qui fait intervention ça sous radio et télé éclair. C'est le monde qui a venu suite avec l'intervention que Edgar Leblanc-Fils fait sous tribune Nations Unies. Parce que vous avez oublié, il faut de toute voix, il faut prendre toute son cloche. Pour moi-même, ministre Nader a même position avec moi. Monsieur cohérent. Mbad bravo pour lui, ministre est toujours correct. En attendant, ancien ministre de la République sous président Jovenel Moïse qui font pile travail. En attendant, comment t'es parlé? Comment le ouais? Discours Edgar Leblanc-Fils là. Entendez ça. Bonjour, montre clairement, il y a un touche dans le discours ça. Je veux quand même félicitations. Ou pensez, le Van Bono a touché dans le discours? Absolument, si vous lisez entre les lignes, vous avez senti ça. Du même côté, et discours a gagné des points forts, très très forts, mais il y a une pile incohérence tout là-dedans. Et il parlait de bagailles que moi d'accord, content,
il parlait des renforcements des systèmes agricoles là. Bon, moi, vers renforcer à trop faible, c'est reconstruire le système là, rebâtir le système là totalement. Parce que depuis après l'indépendance, non, le système agricole là tombé. Donc, ça, c'est des parlait qui est très intéressant, parler des cyberattaques là. Et donc, dernièrement, grand cyberattaque qui fait dans BRH, je ne sais pas, on me dit non, quantité gaspillage qui fait là-dedans. Bah, et il parlait non tout de. Et si un accord biodiversité, là encore, il n'y a de, pas comprendre, il n'y a pas d'accord, il y a tout littoral là, qui est occupé, quand il était fatra, que n'y a pas l'usine était dans la mer, là, tout en série de bagages. Mais, il y a un côté tout, il parlait chaque fois pour dirigeants, il parlait de sécurité dans le pays, il y a banalisé la police noire. Ah oui. Au lieu, il y a fait louange courageux, compétentieux, dynamisme. Police noyau à soldats noyau, ils ont préféré parler de tout à fait de police, pas jamais parler de police. Et tout en ce moment, c'est là, nous-mêmes, en tant que force révolutionnaire dans notre nationale qui gagne Philippe dans tête li, nous toujours prenons pour nous entrer dans une dynamique d'autodétermination et donc pour nous gagner souveraineté sécuritaire, souveraineté politique. Non. C'est l'absence de souveraineté sécuritaire qui fait diriger par gagner sentir. Il est confortable pour faire louange des jeunes garçons, des jeunes femmes qui mettent vie en danger pour sauver le pays. Donc, on lui a demandé des moyens pour renforcer. Il préfère encore besoin d'une autre force multinationale qui va bien faire pour nous et en pays. Il pas parlé tout. On pas senti le Abinader une réponse claire pour mettre Abinader. La question, c'est dommage, il l'a pas mentionné du tout. Du tout. Malheureusement. Mais certainement, l'équipe Bill Clinton pour aller penser à l'agenda à partir des discours et Galé Blanc. Malgré tout problème, non, fringué avec CP ça qui n'ont pas entré en CP 9 tête, l'équipe a banni, mais quand même, le discours là pour aller cadrer et plan et l'équipe Bill Clinton qui pensait tel baisser qui besoin envahir pays pour mettre plan macabre, plan criminel en application. Donc là ce n'est que à suivre, n'a regardé qui vient de avancer. Et n'a regardé qui vient de avancer, c'est ça qui fait n'a commencer mouvementer et 7 octobre cabine là, frère avec tout allié, tout le monde qui par mes comportements dominicains envers haïtiens, notamment après tout mes matraquages et massacres la fait sur haïtiens. Dans le pays là, l'État aimé vient entrer en Haïti, vient continuer massacre ça, vient humilier dans notre propre pays pas non. Non, ça nous va pas parler de ça, ça pas passer. Soldat dominique en Haïti, on va prêcher ça tout. Il a prêté pour faire l'argent, en l'air. Mais quand même son tentative, sinon pas dire rien, il a mettre en application. Ouais, on dit c'est sous il a mettre sous forme de santé, mais loin de là. Il a bien dit qu'on y a signé santé, il a bien banon piqueur pour éliminer dans tout, ouais, qui ça a été fait après, tremblement de terre là, combien et haïtiens ont coupé pied, ont coupé bras, alors qu'ils n'ont pas mérité ça. Donc, le Sénat Kansa, nous-mêmes, n'a pas mobilisé pour nous dire, ouais, ou tout, et c'est là, nous avons dit dernièrement, Frédéric fait sortir en tweet, et comportement ou tout, tellement prêté à équivoque, nous dit, est-ce que c'est vrai, ou dit, depuis la Guinée, nègre, non pas de jambes pensées et où tout est allé comploter avec Dominicain pour le si Dominicain est allé, il y a un monde qui facilite la colonisation Haïti. Donc, frère, force révolutionnaire de l'État national, avoir un appel à tout Haïtien conséquent qui pas d'accord avec le comportement et régime Dominicain. Nous, n'a répété, n'ont pas dit problème avec Dominique. N'ont pas dit Dominique pas venir en Haïti. N'ont pas dit Dominique pas faire business en Haïti. Loin de là. Et d'ailleurs, ces deux frères, ils ont gagné business ensemble, ils ont gagné relation ensemble, n'ont pas gagné problème ça. Mais quant à troupe Dominique, quant à troupe et gouvernement, surtout Abinader là, venir en Haïti, jamais ça pas fait. Si son guerre, ils besoin déclarer en Haïti, si c'est guerre Israël-Palestine, ils besoin faire, ils mettent commencer. Gela y a fait, et malgré à cette manchette, non, avec toutes les âmes, il y a pour Haïti toujours été debout. Ça a été fait en 1791, 1893, 1803, et bien, il a pris fait encore. Donc, il a pris fait encore. Tendance à ça, Dominique Gué dans la tête, tu vois, retirer, jamais le pape capable d'envahir le pays, il n'est pas capable d'occuper le pays. Merci, ministre Zadeh.
telle fois, merci Vladimir, merci à tout le monde qui te prend plaisir pour entendre nous. Et Haïti ou la mort, nous triompherons. Nous n'avons pas besoin de céder, nous n'avons pas besoin de baisser les bras. Et malgré tout ça, quand vous faites non, malgré tout ça, Occident fait non, nous avons prêté debout, Haïti va disparaître. Voilà. Merci à tout le monde. C'était donc ministre Joas Ewis Nader. Voilà. Et c'était ministre Nader. Pour vous-même, belle intervention. Mais c'est ça. Mais j'aime dire là, et ce discours de Galet Blanc, gagne à féliciter, gagne tout à critiquer. C'est clair. Par contre, vous comprenez, mais par conséquent, moi-même, tout le monde connaît que je suis un monde qui est positif, mais bavlé. Parti critique là, mon petit Jean, je pense que c'est trop de bagaille qui pour couvrir ce parti critique là. D'accord? Réalité, c'est que force multinationale en Haïti, qu'est-ce qui te fait des modes là? Équipe Ariel, c'est pas de Jean, mais de Galet Blanc. Mais par conséquent, Edgar Leblanc accepté pour qu'il signe, pour consolider, demande Ariel. D'accord? Ça veut dire que ça, c'est une incohérence. Mais naturellement, qui est-ce qui met Edgar Leblanc? Tout le monde connaît Mounio. Est-ce que tel bagaille, discours, on partit dans le discours, ce n'est pas Mounio qui crie sa balle? Par contre, tu comprends? Est-ce qu'il te cavale le tout? Je ne connais pas, mais sauf que dans l'âge, Edgar Leblanc fils, pas un sacrifice qui est trop grand pour monsieur et pas faire pour le pays. Parce que ça, monsieur besoin dans la ville encore. Je ne sais pas comment c'est un multimillionnaire riche encore. Sauf si c'est d'abord qui était richesse pour petite tribu et famille, je ne sais pas comment c'est. Mais sauf que ça qui est important, c'est que ça qu'on fait là, les. Je pense que c'est normal pour que le monde félicite monsieur, pas de bravo pour lui, tout ça, ou en pile bagaille, et cap est passé. Nous entendons, nous comprenons, et en pile causé, en dedans la République. Et c'est très important, d'accord? En pile causé en dedans la République peuple haïtien. Très bien. Voilà. Et hier, nous faisons une intervention que en pile haïtien, bad bravo, la contentement pour dernier live que nous avons fait hier après-midi. Alors, live qui commençait à 6h, boule PM dans le pays d'Haïti. Madame Evelyne, nous, après-midi, à fond dans live là. Faut là, faut toutes amies. Faut la famille réunie, d'accord? Et faut que Madame Evelyne nous présent. Nous besoin pour que au présent, d'accord? Et l'autre bagage que m'a dit, qui est extrêmement important, ok? Et c'est que ça qui a passé en Haïti, hein? Haïtien pas de prendre trop de temps pour réfléchir, pour comprendre comment le cas résoudre. Ce n'est pas Haïti qui a un problème. Nan. Et plutôt, c'est nous qui a un problème. Ce n'est pas un grand monde qui a un problème. Nan. Mais par conséquent, c'est nous tous qui a un problème. Nan. Mais maintenant, est-ce que nous tous sommes d'accord? Alors peut-être que en pile là nous pral di bientôt mon cher moi pas j'aime chef Haïti, pas j'aime travailler dans l'état Haïti, pas j'aime vivre Haïti, peut-être mon cap vivre dans diaspora. Après dit comment me faire contribuer dans tel bagage, m'a dit pour conséquent. Écoutez, écoute mais quand tu capable bailler, ou vivre dans diaspora, gon situation qui est extrêmement compliquée dans pays d'Haïti, gon groupe de nèg cap fait politique en Haïti, chaque leur monter dans diaspora, yo vinn di on prend la rue pour aller demander et comment le gouvernement américain, congrès américain support pour que yo aide nous jeter au gouvernement dans pays d'Haïti, ou fait là, de fait, yo utilise ou pour que yo forme tes propres barricades. Yo utilise ou pour yo faire bloquer pays ou. Et c'est ça qui est important. Et tout à l'heure, je vais tourner avec Galil. Parce que je vais calmer, comme je vais dire Philippe, pour parler tout à l'heure. Je vais prendre le temps de voir l'intervention, maman Peba. Et. Yeah. En pile, là, nous, peut-être qu'il n'y a pas de manifestation dans la diaspora contre le gouvernement d'Haïti, mais par conséquent. Parce que nous tous nous avons levé, campions le tout, pour nous dire que nous ne pouvons pas voir 4,2 milliards de dollars américains dans le pays d'Haïti. Par contre, si nous comprenons, nous avons dit que nous ne pouvons pas voir 4,2 milliards de dollars américains dans le pays d'Haïti. Nous comprenons ça, ça veut dire, mettre du côté de l'agence puissant. Là maintenant, nous sommes en 2022, 31 décembre. L'État dominicain dit, mais quand tu es cob qui rentre dans le transfert, et mais quand tu es qui rentre, Haïtien rentre dans le transfert dominicain. C'est de plus passé 2,6 milliards de dollars américains qui te rentré dans Western Union comme transfert pour Haïtien seulement en 2022. En 2022. Aïe, 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 monsieur. Donc, à comprendre ce que ça veut dire, c'est que, gon cob qui parle en Haïti en 2022.
Dominicani fait comme ça. Dans le transfert, il fait comme ça. Quand on va aller à Dominicani, pour les deux, ou être à Haïti dans sa quelle là, attention. Comme si vous pensez que c'est sans raison, l'OL et la Dominicani font seul avec William Ruto pour que vous gérez le dossier force multinationale. Nous pensons que c'est Black King là, ou est-ce que Gamba? Ils sont business pour pays Kenya. Kenya a prêté comme chef mission. Il a fait comme il a vu une saboule jeune. Sac Gamba, il a intérêt la Dominicaine, il a plus passé 1000% de fait Kenya a pédé au consolidé Sac Gamba. Dans ce sens, quel que soit le prix à payer, nous devons lancer une bataille contre Kenya. Ah, nous prenons le Tibeto. Oui, contre Kenya. Est-ce que nous devons bataille contre Koulev 7 Trade? Koulev 7 Trade pas rien. Moi, dis-nous, 2 millions haïtiens à 2 millions manchettes seulement, non mais sans que nous ne pas attaquer personne, nous prenons la rue, solution. C'est clair. Kenya là pour que vous protégez les oligarques corrompus en cas, ou comme si vous avez en difficulté. Je donne à vous à vivre en Dominicani. Ça qui est dans le pays d'Haïti, vous avez besoin, les là pour vous, les avantages, vous voulez le rester là. Mais de fait, c'est Kenya qui se garant. Ou du moins, protection, protecteur, ça que yo gen dans pays d'Haïti. Fon fon japon retirel. Et me garantis non le cas sorti. Oui, le cas sorti. Mais c'est nous tous qui pour prendre disposition pour que ça sorti. Parce que moi, me dis, nous pas kal plus loin que ça. Avec sa gueule là. N'a pas avancé. Mes amis, hier soir, moi, prétends pour m'entendre. Ah, Edgar Leblanc fait criver, entendez, là, direct. Edgar Leblanc fils fait criver, Haïti. Il fait criver dans l'aéroport, là, là, il y a un bilan de toute activité, ce qu'il fait l'autre bois. Ensuite, il y a un cabinet en particulier entendez. À président Edgar Leblanc fils qui travaille sur lui. Désolé. Ensuite, moi-même, avec les conseillers plus proches, nous retravaillons sur lui jusqu'à ce que il ne se produise pas. Donc, c'était la parole de l'État d'Haïti dans toutes composantes. Ni dans le conseil, ni dans le gouvernement, et en commençant par mission à l'étranger. Deuxième question, effectivement, il y a un conseiller qui l'a, parce que pour conseiller, moi, c'est le représentant en tant que président du conseil de, et présidentiel de transition. Le MTAP Patien, en plus, il y a quelques ministres qui viennent accompagner une façon pour montrer que pas des conseillers là et puis des gouvernements là, conseil à gouvernement fait seul et je représente le conseil comme président du conseil présidentiel de transition. Merci. Merci tout le monde. Voilà. Merci, à bientôt. Et c'était un point de presse. Est-ce que je partage plus là-dedans? Est-ce que mon parti qui me raté parce que je n'ai pas été envoyé pour moi à temps? Bah, regardez. Alors, Edgar Leblanc fils, il y a une conférence de presse dans l'aéroport international, il y a un pile de monde qui était présent. Bah, moi, quand il y a ça gagné, monsieur pas mal en pile. Monsieur fait rentrer dans le pays. Hein? Et il y a une délégation qui vient recevoir lui. Et monsieur Rive Bonheur. Ben moi, si moi t'as fait entendre tout extrait de l'intervention. OK? Voilà, t'as semblé m'a tout en là. On va essayer là. Transitionnement, rétablir sécurité, organiser vos élections pour faire passation au pouvoir le 7 février 2026, venir tout pour relancer l'économie, pour mettre les pays au travail. Et dans le cadre de ça, le gouvernement a préparé le forum pour investissement avec en participant en pile investisseurs haïtiens, mais aussi en pile investisseurs étrangers, mais aussi la Banque mondiale et autres pour garantir. Malgré Jean-Pierre Léon, il y a en pile monde qui est déterminé à Jean-Louis nous confiant, à quoi la confiance à venir et qui va changer pour venir pour investir. C'était une réunion qui était bien préparé et qui bien réussi, et nous croyons que par bien suivi la paix qui va faire sur ça. Nous avons gagné une autre réunion importante, c'est une réunion avec, je dirais, le staff du département de l'État, avec le secrétaire d'État adjoint, M. John Bass, accompagné de
Van Nichols et l'ancien ambassadrice des États-Unis en Haïti, Mme Simpson. Oui, donc ça, c'est pour lui, particulièrement pour regarder la situation, mais particulièrement sur le plan sécuritaire, regarder comment donc il faut qu'il y ait fait la route capable de consolider pour arriver effectivement à la vie sécurité et faire que la transition réussisse. Et il y a quelques autres réunions, on a dit en bilatéral parallèle, et ça aussi, c'est nous-mêmes qui sommes particulièrement plus importants. Aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale, le nous côté de la parole, nous avons pensé à deux bagages. Premièrement, à fait le monde entier connaît que nous sommes en situation difficile, solidarité est importante pour nous sortir la donne. Cependant, nous déterminons, nous prêts à faire ça, nous faire nous-mêmes, avec propre force par nous, pendant la commencé par mettre nous ensemble. Nous avons gardé devant ensemble et avec confiance que nous avons baillé la population, la mettre derrière l'autorité pour que nous soyons capables. C'est ça nous capable de résolution pour la sécurité. Comme nous connaissons que nous ne sommes pas privés pour contre nous, nous demandons solidarité. Son solidarité dans la dignité, son solidarité dans le respect. Et là, nous devons parler de l'insuffisance qu'il y a en termes financiers. Je dis bien par exemple. Mission qu'il a, mission pas capable de déployer vraiment parce que au même le financement qui est fait environ 600 millions de dollars à l'an, il va arriver vraiment. Les Américains se sont contribués le plus à raison de près de 300 millions de dollars et des difficultés, c'est ça qui a changé, essayé de changer ce statut-là. Mais nous connaissons que si dans le changement qui peut être fait, nous arrivons à consolider l'institution par nous de sécurité nationale, forces armées d'Haïti, police nationale, avec tout équipement que nous gagnons, désormais, nous avons un cycle de stabilité, de fonctionnement régulier, souverainement, pour ne pas besoin en quelle mission retourner là encore. C'est vrai, dans le passé, nous avons dit plusieurs soufflets dans ce sens-là, parce que ce n'est pas toujours avec nous avons dit. Toutes nous-mêmes que nous acceptons et appuyons ça. Mais nous avons une mauvaise situation et très souvent, il faut nous connaître la situation, c'est nous qui nous la donné parce que nous mal nous comportons envers le pays. Et quand nous avons des responsabilités, nous ne pouvons pas prendre pleinement le plan avec tout ça, ça suppose comme charge envers le pays. Alors, dans ce sens, ça, nous ne parlons pas tout de nous faire toujours comme ça. Nous sommes grands pour nous. Et nous sommes les deux, nous sommes grands. Parce que nous généreux en tant que peuple. Et dans ce sens, nous dit que gagner des dettes morales, des dettes historiques qui gagnent au pays, et que nous croyons que le moment aujourd'hui, il vivait pour que nous posions en termes clairs, front avec nos partenaires, avec nos amis, pour que des saillots, dans le cadre institutionnel, formel, de capable de commencer à restituer, et qui a permis de nous consolider le travail que nous avons fait là. Je remercie en pile tout le peuple haïtien qui t'a dit à répondre à ce cri, à cet appel, en disant que je crois que, après parole, ça va être acquis. Je suis même prêt pour que, ensemble avec l'autorité, pour que nous travaillions ensemble, consolider et mettre la paix dans le pays, assurer la sécurité. Et là, je dis à tout bandit, tout le monde qui a mis, comprendre sa capacité, comprendre que le peuple a besoin. Pour le prendre, on souffre pour le sortir, déposer les armes. Nous, autorités de notre pays, on a fait tout pour que la sécurité rétablisse notre pays. Tout, vraiment tout. On a cherché solidarité pour nous mettre avec grande force par nous pour nous résoudre. Mais nous demandons, parce que nous reconnaissons quand même, c'est les Haïtiens qui n'ont mauvais route, rentrer dans vos routes là, déposer les armes. Abdila, ma campé. Merci parce que le temps n'est plus à la parole. Nous prêts pour nous commencer le travail aujourd'hui en tout bon, malgré toutes difficultés qu'il y a, et des opérations qu'a faites sur le plan de sécurité, par exemple, dans le Wafla, pour sécuriser, car nous menacer là pour que l'agent de sécurité n'a pas garanti rentrer bateau et que le bateau pas venir. Et des travail qu'a fait rapidement là, ma félicité responsable là, ma félicité responsable la police pour le travail qu'a fait là. Nous avons travaillé sur le plan ça, même j'ai été faire autour de l'aéroport là, et pour nous ouvrir la route bien vite pour toute la population pour rentrer et commencer le travail. Je vous dis merci. Merci. Une question, pas plus. Une seule question. C'est tout bon. Bonjour à tous.
Avant tout, Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier pour le discours que vous avez tenu à la tribune des Nations Unies. Je pense que mes confrères ici n'auront pas de problème à se joindre à ma voix pour vous adresser nos remerciements et nos félicitations. Votre discours était de bonne facture. Cela dit, nous avons remarqué dans le discours et ici aussi également, vous êtes positionné comme le président de la République. Nous avons souligné qu'il n'y a pas d'autres conseillers présidents ici. Nous avons, là, cela nous amène à nous poser quelques questions. Premièrement, est-ce que le discours que vous avez tenu, il y a eu un consensus sur certains points, notamment sur le point, sur cette position que vous avez, entre les conseillers présidents? Et comme nous savons que nous nous approchons de la date du 7 octobre, c'est dans 8 jours, est-ce que ça veut dire que président conseiller ou d'accord que M. Edgar Leblanc-Fils Kembe président CPTA définitivement, ou bien c'est on démarche, bon, je vais utiliser le mot l'esprit Voltaire là, mais bon, vous voyez de quoi je parle. Merci. À propos du discours, un discours de ce genre, ce n'est pas l'œuvre de monde qui a dit là. Les contribuer un peu là-dedans parce que, particulièrement pour moi-même, je m'a dit un discours, m'a dit quelque chose qui se tient là. Mais m'a profité là pour me féliciter le travail de mission d'Haïti auprès des Nations Unies qui travaille chaque jour sur le dossier dans les États-Unis, dans le cadre commissionnel, qui prépare le premier jour. Mais je vais aller dans le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères, je travaille sur. Ensuite, je voyais dans le cabinet particulier à président Edgar Leblanc-Fils, qui travaille sur. Ensuite, moi-même, avec des conseillers plus proches, nous retravaillons sur jusqu'à ce que l'ICE ne produit pas. Donc, c'était la parole de l'État d'Haïti dans toute composante. Ni dans le conseil, ni dans le gouvernement, et en commençant par mission à l'étranger. Deuxième question, effectivement, il y a un conseiller qui l'a, parce que pour conseiller, moi, c'est le représentant en tant que président du conseil et présidentiel de transition. L'homme t'a parti en plus, il y a quelques ministres qui viennent accompagner. Une façon pour montrer que, pas des conseillers là, et puis des gouvernements là, conseil à gouvernement fait seul, et je représente le conseil comme président du conseil présidentiel de transition. Merci. Voilà. Et c'était Edgar Leblanc-Fils, qui est à peine arrivé dans le pays d'Haïti, après passage li, et après participation li, en 79e Assemblée Générale Nations Unies à New York. Et qui est très remarquable, côté que monsieur frappé dans le niveau que nous connaissons le frappé. Monsieur fait une intervention que tout haïtien, bat bravo, whatever, et saleté. Hein. Monsieur fait un discours qui intéresse un peu haïtien. Bon, il est nécessaire pour que nous fassions un petit tournée dans le discours, pendant quelques minutes, mais que nous ne prenons pas tout. Mais nous avons fait un petit tendez, un petit parti dans le discours que nous estimons qui est important. L'allocution de son Excellence, Monsieur Edgar Leblanc-Fils, président du Conseil présidentiel de transition de la République d'Haïti. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée Générale, Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, chers compatriotes, j'ai l'immense honneur de représenter ici à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies à un carrefour particulier de son histoire, le peuple haïtien, digne et fier, qui, malgré les tempêtes de tous ordres,
a toujours su se relever. Première République noire du monde, Haïti porte dans ses entrailles la fierté d'une lutte héroïque pour la liberté et la dignité humaine. Elle se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. C'est donc avec le poids de cette histoire et l'espoir d'un avenir meilleur que je m'adresse à vous en appelant à la solidarité agissante de la communauté internationale. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations à vous, Son Excellence Philémon Yang, ancien Premier ministre du Cameroun, pour votre élection en tant que président de cette 79e session de l'Assemblée générale. Haïti se tient fermement à vos côtés et vous assure de tout son soutien tout au long de votre mandat afin de faire de cette session un succès pour l'ensemble de la communauté internationale. Qu'il me soit permis aussi de saluer l'excellente qualité du travail accompli au cours de la 78e session par votre prédécesseur, Son Excellence, M. Denis Francis de Trinité et Tobago, qui a su conduire les travaux avec dextérité, sagesse et leadership. Je saisis également cette occasion pour exprimer au nom du peuple haïtien toute notre gratitude à vous, Monsieur le Secrétaire général Antonio Guterres, pour votre visite en Haïti, votre présence sur notre sol et votre soutien indéfectible à notre démarche auprès du Conseil de sécurité, notamment pour renforcer la police nationale d'Haïti. Vos récentes interventions en faveur d'Haïti ont été vivement appréciées et resteront gravées dans nos mémoires. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à la communauté internationale pour le soutien apporté à mon pays en ces temps de crise. Cette solidarité, qu'elle se manifeste à travers des initiatives de sécurité, d'aide humanitaire ou de soutien au développement, est grandement appréciée. Par cette coopération continue et mieux adaptée, Haïti se remettra plus forte, plus résiliente et engagera confiante sa marche assurée vers le développement et le progrès. Je salue ici tous les compatriotes haïtiens à travers le monde, qui, tout en restant attachés à leur pays natal, sont obligés de chercher d'autres cieux plus cléments pour gagner leur vie. Tout le monde reconnaît qu'ils sont de rudes travailleurs. Je veux leur dire, partout où ils se trouvent, que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pensent à eux en attendant que les conditions soient réunies pour qu'ils reviennent au bercail. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérants dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio, aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations, depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779, nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. La participation active des immigrés haïtiens à différents niveaux de la vie des États-Unis est tangible et significative. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toutes origines et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Très bien. Il y en a parti, c'est à féliciter. Moi-même, bat bravo pour partir ça et m'a demandé nous. Nous, quand même, un petit bravo tout dans l'espace commentaire là. Et c'est très intéressant. Monsieur parle avec Dano Tchon Claire. Elle est très importante. Mais cependant, même, m'a tout profité de l'espace ça et de l'intervention que monsieur Leblanc fait hein, pour que moi, vous un message, bye, compatriotes haïtiens, mieux,
qui me parle en pile avec en pile qui m'a continué parler avec yo quand journaliste qui l'autre bois qui était écrit m'a demandé rentrer en contact ensemble avec moi parce que peut-être capable passe pas comme c'est venu numéro 1 et pour nous faut parler sur ça qui a passé l'autre bois sur la vie haïtienne parce que il y a en pile message qui vient de moi marquer comprendre yo qui message moi pour compatriotes haïtiens yo communauté cubaine je trace exemple États-Unis dans notre pas jamais prendre chance faire ça sous communauté cubaine. Communauté vénézuélien, dans notre pape, jamais pensé faire ça. Jamais. Parce que conséquence la plou en pile. Les papes jamais tenté, même pour une seconde pour le faire avec immigrants mexicains. Jamais. Parce que États-Unis a complètement paralysé. OK? Ça fait construction États-Unis, matériaux pour rentrer, pour venir construire. Et Miami, c'est complètement bloqué. Communauté juive là, je te carré ça avec longtemps, mais ouais maintenant, jamais. Pas de chambre chance encore. Parce que yo même, yo frappé, les yo frappé pied à terre, yo frappé pied fort, et yo toujours prêt pour yo virer de la gueule pied yo. Parce que yo connaît qui ça yo vaut. Maintenant, yo parlons à faire de 15 à 20 000 Haïtiens qui sont dans Springfield, Ohio. Et on dit chiffre, il n'est pas arrivé 20 000 vraiment. Même s'il avait 20 000, pas de problème à parler avec nous. Compatriotes, moi, qui sont dans Springfield. Trace un exemple pour moi dans Springfield, dans Ohio. Et je prends tout Haïtien dans state Ohio à même, trace un exemple ça. Tant pis, s'il vous plaît. 1. Éviter conduire pour nous faire excès de vitesse. Contrôler. Limite yo bay pou moun conduire yo, contrôler yo. Côté pour conduire avec 65 ans sous Nani Favio, eh ben respecter principe ça en tant que haïtien. Tant pis s'il vous plaît, message pas pour nous. Deuxième bagage parce que je n'ai pas haïtien relève sous ça. OK? M'a parlé avec nous parce que m'a parlé dans nous haïtien qui alors haïtien frère seul captain de m'cap garder m'la quitter et partager ça ensemble avec yo, m'a dit nan non. Haïtien qui gen machine dans Springfield, Ohio. Monsieur, dame, évitez conduite machine trop fort côté qui pas fait pour ça. Yo ba yo limite pour conduire 65 sur une grande route, autoroute, conduit 65 ans, pas fait 110, pas fait 115, pas fait. Pas fait, laisse à ou violer principe là, ou violer code du ou la loi tombe sous dos. Y a pas appliqué sévèrement et ou gen droit ça. Loi conduit dans zone côté qui gen l'école yo. Ouè que yo mande aussi à 15. Pour conduire, mes amis, regardez non, pas peser puis sous gaz là. Allez tout doucement. Sou gen moun nan machine nan prend temps fait pas lavel en attendant pour faire 5 10 minutes ou bien 15 minutes pour conduire pour passer zone l'école là jusqu'à ce qu'on sorti corps. Pas le conduire dans l'autre côté où est l'école. Connexion des paramètres où est toujours espace ça où est signe là même. Yo dougué l'école là. Gonjan pour conduire là. Respectez ça. T'as songé. Gonjan garçon 35 l'année. Qui te sorti Chili ou bien Mexique. Qui te faxine avec un bus. T'es un petit monde qui te mouri. Ça te font paquet de groupe à l'empile. Monsieur Pat même te gen permis même. Ça veut dire que comportez-nous bien. Dans ce sens ça pour moi. Deuxième bagaille, m'a demandé compatriotes haïtiens yo. M'a parlé, m'pourrait peut-être partir après le général oui. Mais m'a parlé avec haïtiens dans state Ohio dans zone Springfield là même. Messieurs dames, le nous pas dans nous pas sous chantier côté qui travail n'a faire son travail qui permet que rad qui nous sous nous en capable sale. Le nous pas sous chantier. M'a demandé nous habillé, nous mettez rad sous, nous pas marcher sale. Nous pas mandou pour l'habiller cher, mais sauf que ti rad qui sous roi, qui 25 dollars, 3 dollars, 4 dollars, rassure que nous proptel, nous repasser, nous prend la rien. Pas marcher sale. Tant pris. Tracé. Comme si, bah, ça comme leçon l'autre bois. N'a pas avancé, moi, le go cause, aïe. Parce que ça, c'est important. Son message que nous voulons vous ébaye, communauté haïtienne, non? Qui dans zone Springfield dans état Ohio. M'a pande nous tande ça pour moi avec un pile intérêt. Pour y que m'a dit avec compatriotes nous qui vivent dans état Ohio
dans zone Springfield côté que yo accusé frère nou yo comme quoi que y a coupé tête bête moun pour yo manger canard chien chat tout ça nous qui Jean Bagelan li frappen et par conséquent gen des réponses que équipe républicaine pas joine. Ils ont décidé pour faire capital politique nous capital politique sous nous. Bâti popularité politique ou du moins ça chercher popularité dans secteur qui pas vraiment t'a voté qui vraiment raciste. On qui pas vraiment immigrant. Pourquoi qui m'a pas de nom? Un. Fait tout effort qu'on capable pour que nous comportions bien dans communauté. Moi c'est voir un pile appel côté que dit haïtien pas respecter principe yo le a conduit. Ça veut dire qui ça? Ou gon route, autoroute côté que yo bon limite ou ka conduit à 65 ou du moins 70. Messieurs dames, tant pis souple. Respectez ça. Gon zone yo montre qui gen l'école. Yo dit c'est 15 ou ka conduit. Tant pis. Faut tirer ralenti. Garde calme. Prends 2-3 minutes là pour conduire pendant avec limite 15 que bail là pour traverser espace qui gagne l'école là. Ou pral tomber dans périmètre. Côté que dit c'est 35, c'est 45 ou ka conduit. Tant pis s'il vous plaît. Respectez ça. Comportez-nous bien. L'autre bagage que m'a dit nous, là on passe au chantier. Peut-être travail à faire qui dans ce travail qui fait que radou sale. M'pa gen problème sous chantier rad qui sont capable et gen bagay sale soule. Mais par conséquent, ou pas ka fin travail avec rad sale là pour tout côté dans la rue, tout bagay not. Non. Pour faire tout bagay ensemble avec non. L'or pas sous chantier, ou pas ka saute la caillou n'importe qui gens, vieux chevaux gaillé tout sale, tout sans baigner, senti force moun. Non, faites attention. Faites attention. Protégez, gérez ça. Ça, c'est un minimum. Ça, c'est un détail. Mais gérer ça. OK? L'autre bagage qui est important, alors ça me dit, marcher, faire effort de marcher pour. Mais pas question acheter rad chez Metson, non. Rad acheter pour 3 dollars, 4 dollars, dans Walmart, là. Si ma ça, ou la ville, ou repasser, ou mettre sous, ou prendre la rue. Ou son jeune fille, paye un cheval, ou prendre la rue. Ou son jeune garçon, rassure au corps, que cheveux ou propre comme si bien payé ou prend la rue surtout haïtien qui vivent dans la communauté Springfield là parce que gon leçon que m'va demander nous pour nous bailler l'autre bord. L'autre bord a gagné environ 60 000 américains 60 000 moun nous vient ajouter 15 à 20 000 fait 4 une dit gagne environ 80 000 moun l'autre bord une zone qui était faite pour 60 000 moun zone a vient saturer de fait américains qui pa gen kon ki pa moyen yo yo gen problème avec haïtien qui a fait progrès c'est ça me tande bay la et tout pour connait que haïtien débile gen ti bay la mel OK tout pour connait que haïtien débile gen ti bay la mel la souk école est-ce que nous là débile haïtien gen ti bay la mel la souk école y a pour haïtien fonctionner normalement vrai y a pour ça gen dans haïtien il a comment il a bougé mais par conséquent l'autre bagaille que m'a dit non nous même frères sommes cap vivre dans state Ohio dans zone côté que il a acquisé nous qui est Springfield là m'a demandé nous comporter nous bien là et m'a dit nous ça très bien cubain en fait vénézuélien en fait OK mon et juif yo fèl. Mais m'a demandé nous copier sur moun sa yo. Pour ça que J.D. Vance, qui c'est sénateur dans l'État Ohio, et qui c'est actuel candidat pour vice-président pour parti républicain, pour ça que monsieur fait, là, nous va le faire au pays. Comment la faire au pays? Objectif non. C'est comporter nous bien dans la communauté, travail bien, gérer l'économie nous, pas gaspiller l'argent nous. Et puis, minimum, nan, alors, il y a 15 000 moun kap vivent l'autre bois, 15 000 familles, ça yo. Fait fucking kapap pour nous chaque acheter l'autre bois. Mbale.
Faire effort qu'une capable que nous chaque chose à l'autre bois. Business que nous travaillons dans yoa. Que yo, mettre business dit que nous comportons nous bien, nous travaillons bien. Ça qu'a pas en faveur aujourd'hui, hein? C'est force non. Pas de problème. Objectif non, c'est le business qui vient en faillite demain si Dieu veut, c'est nous pour acheter pour nous remettre sous pied. Mettez ça dans la tête non. Pas jouer avec ça. Ouais, ça n'est que fait nous là. Nous prenons les frappes fort, mais la motiver nous pour que nous-mêmes, nous communauté ça, nous saisir. Parce que nous là déjà, de fait, faut nous faire bien là. Pas j'aime dire dans tête tout, oh oui, là, c'est immigrant, m'a travaillé maintenant. Ou là, papa. Ou là, et clou là. Dégagez-vous pour faire bagaille là. Fais, blanc ça, ou qui pauvre l'autre bois, fais respecter le principe là. Fais connaître que c'est travail ou une travail, ou respecter le principe là, ou comporte bien dans la communauté, et bois, fais l'argent dans la communauté, ou fais bien dans la communauté. Arrangez-nous bien pour qu'on soit des cailles. Blanc a mal fonctionné l'autre bois, qui t'a critiqué nous, qui pas de vouloir nous. Les gens ont difficulté pour acheter caillou à nos mains. Ils ont les bêtes. N'a pas tourné. On avance. Nous là pour discours. Président Leblanc, il me prend motion pour me faire intervention ça. On continue avec discours, hein, parce que M. Paul dit de bail qui est extrêmement important. Peut-être partie qui n'est pas intéressant, m'a sauté, mal tombé dans l'autre partie qui est intéressant. On avance. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 79e Assemblée Générale, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, résonne profondément avec les défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ce thème est un appel urgent à l'unité et à la coopération internationale dans un contexte où les inégalités, les conflits et la crise climatique exacerbent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le globe. Alors que de nombreuses nations peine à atteindre les objectifs de développement durable, il est plus que jamais nécessaire de garantir que toutes les voix, en particulier celles des plus marginalisées, soient incluses dans les processus de décision mondiaux. Cette thématique revêt également une importance capitale dans le contexte de la crise actuelle en Haïti. Il incarne l'essence même de notre lutte pour restaurer la paix et la stabilité tout en assurant que chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne puisse jouir de ses droits fondamentaux. Agir ensemble, comme le souligne le thème, est essentiel pour Haïti, car notre redressement ne peut se faire pleinement sans cette solidarité internationale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui notre monde est confronté à des défis d'une ampleur sans précédent. Des défis qui préoccupent profondément l'ensemble de la communauté internationale. Les Nations Unies, dans leur mission historique de promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable, se retrouvent en première ligne face à des crises qui menacent non seulement des nations isolées, mais l'ensemble de l'humanité. Le changement climatique est sans doute l'un des plus grands périls de notre époque. D'après les données récentes, du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la température mondiale a déjà augmenté d'environ 1,1 degré centigrade depuis l'ère pré-industrielle. Cette élévation a provoqué une intensification des phénomènes climatiques extrêmes tels que les ouragans, les sécheresses, les inondations, des catastrophes qui affectent particulièrement les nations les plus vulnérables comme Haïti. En 2023, le Programme des Nations Unies pour le développement a estimé que plus de 100 millions de personnes supplémentaires risquent de basculer dans la pauvreté d'ici à 2030 en raison des effets du changement climatique. Pour Haïti, qui fait partie des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui ont subi les impacts les plus dévastateurs, cette crise mondiale exacerbe nos difficultés à garantir la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et la stabilité économique. Les conflits armés continuent également de semer la destruction et de ravager des vies humaines. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déplacées de force a atteint 110 millions en 2023, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité. Que ce soit en Syrie, en Ukraine ou dans la région du Sahel,
Ces conflits prolongés exacerbent la pauvreté, détruisent des infrastructures vitales et entraînent des flux massifs de réfugiés. Le monde ne peut rester inactif alors que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants fuient les violences en quête de sécurité et de dignité. L'engagement de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire pour trouver des solutions diplomatiques et promouvoir des initiatives de consolidation de la paix. Un autre défi majeur concerne les inégalités économiques qui continuent de se creuser. Selon le rapport sur le développement humain 2023 du PNUD, près de 1,2 milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elles manquent d'accès à des services essentiels tels que la santé, l'éducation et des conditions de vie décentes. La pandémie de COVID-19 a amplifié ces inégalités, poussant des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Pour des nations comme Haïti, l'impact a été dévastateur. Avec un taux de pauvreté des plus élevés, le pays fait face à des défis structurels profonds. Mais ces inégalités ne sont pas seulement un problème haïtien, elles sont un problème mondial qui requiert des réformes économiques globales. En outre, les défis liés à l'insécurité alimentaire se sont intensifiés ces dernières années. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 735 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2022, une augmentation alarmante qui reflète les perturbations causées par les conflits, les crises économiques et le changement climatique. Haïti, malheureusement, ne fait pas exception. Le Programme alimentaire mondial a récemment souligné que près de la moitié de la population haïtienne est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Cette situation n'est pas seulement une urgence humanitaire, mais une menace pour la stabilité de notre nation. Nous devons travailler ensemble pour renforcer les systèmes agricoles, garantir un accès équitable aux ressources alimentaires et lutter contre la faim de manière concertée et durable. Enfin, les progrès technologiques apportent de nouvelles opportunités, mais également de nouvelles menaces. L'accélération du développement de l'intelligence artificielle, la prolifération des cyberattaques, la désinformation mettent en danger la stabilité des démocraties à travers le monde. Le rapport de l'Union internationale des télécommunications montre que la fracture numérique reste un défi majeur avec près de 2,7 milliards de personnes n'ayant toujours pas accès à Internet en 2023. Haïti étant l'un des pays les moins connectés, doit impérativement bénéficier de soutien pour combler cette fracture numérique et participer pleinement à l'économie mondiale du 21e siècle. Cette année, Haïti réaffirme son engagement en faveur de la préservation de notre patrimoine commun, les océans. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui avec fierté que Haïti signera l'accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales, adopté le 19 juin 2023 et ouvert à la signature depuis le 20 septembre 2023. Cet accord est un outil crucial pour garantir la protection de la biodiversité marine, promouvoir une exploitation durable des ressources marines et renforcer la résilience des États insulaires comme le nôtre face aux défis du changement climatique. Haïti est déterminé à collaborer avec la communauté internationale pour s'assurer que cet accord profite à toute l'humanité, tout en contribuant à la protection des écosystèmes marins dont nous dépendons tous. Ces défis mondiaux ne peuvent être relevés que par un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme, de la solidarité et de l'action collective. Haïti, malgré ses difficultés, se tient prête à collaborer avec la communauté internationale pour surmonter ces crises et bâtir un avenir où la paix, la justice et la dignité humaine triomphent. Mais nous ne pouvons y arriver seuls. C'est ensemble que nous devons agir pour garantir que personne ne soit laissé de côté.
Excellences, Mesdames, Messieurs, en proclamant l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, le général Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de notre patrie, a donné aux droits de l'homme leur caractère universel. En d'autres termes, avec le triomphe de la révolution haïtienne de 1804, ayant lancé le processus de démantèlement de l'ordre colonial et esclavagiste, les droits de l'homme ont cessé d'être uniquement les droits de l'homme blanc pour devenir les droits de tous les hommes, de toutes les femmes, c'est-à-dire les droits de l'humanité tout entière. À ce titre, en tant que représentant de la République d'Haïti, porte-parole officielle du peuple haïtien, je me vois dans l'obligation d'attirer l'attention des dirigeants des grandes puissances sur le danger de guerre nucléaire menaçant l'existence des peuples sur tous les continents. Dans cette optique, au nom de la République d'Haïti, je lance un vibrant appel aux chefs d'État de tous les pays membres des Nations Unies pour leur demander d'éviter à l'humanité le péril de la fin de la civilisation sur Terre. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'exprime aujourd'hui avec l'expérience de plusieurs années consacrées au service de mon pays. Mon parcours. Alors, j'en veux dire là, et nous prenons parti qui peut être intéressant pour nous, mais de l'autre partie qui peut-être pas vraiment intéressé nous, pour que nous te prenions dans le discours, parce que il y a des parties que nous avons critiquées, blablabla, en même temps, nous avons des positions sur les tout, mais nous ne pas vraiment intéressé à prendre les parties bidon de l'eau, whatever, tout ça. Ce qui est en fait, honnêtement, ce qui est en fait, on a tout à fait bagarre qui est sale à Haïti. Ça qui est fin fait, le monde entier qui est en well, je suis vraiment désolé, moi-même, pas passé. Parti qui a un bidon de l'eau, côté que, je suis un bidon de l'eau, hein, comme c'est non, je saute ça. Ça a vraiment pas passé. Je ne décide pas passer. Ok? Je décide moins pour ne pas passer côté monsieur à prendre un bidon de l'eau parce que il dérangeait, mais je ne pas voulu éterniser me saouler. Ok? Je ne suis pas content de tout qui décide de faire blague avec. Je raconte mon nom, c'est choual, c'est position mon nom, mais moi-même, je n'ai pas position pas moins par rapport avec ça. Ok? Et l'important pour que nous soyons capables de comprendre effectivement qui ça va galanter. En pile causer parler sous intervention Edgar Leblanc. Mais maintenant, qui ça nous besoin? Messieurs, dames, la vérité c'est que Haïtien pas qu'à vivre Haïti. Pas gain la vie. Pas gain la vie, c'est l'enfer qui en bas. La vérité c'est que moun nan sud pas qu'à rentrer pour Opres. Y a kidnappé, y a violé, y a tué. La vérité c'est que misère, grand goût, situation difficile tellement la vie tellement compliquée à Haïti, qu'on paquet si moun ki pa tap jamais rentrer dans gang, eh ben situation vin permet de rentrer dans gang. OK? La vérité c'est que bon groupe n'est qu'à faire politique qui décide qu'un pays dans ça. La vérité c'est que bon groupe n'est qui décide faire business dans pays d'Haïti, mais c'est yo qui décide qui contrôle toute ça l'état pays d'Haïti pour du comme l'argent. Et décide qui contrôle chaque poche haïtien. Ou fait 20 ans, 30 ans de travail, yon bon matin, oligarque la décide pour yon décapitaliser ou. Ça yon fait. Yon rentre zam nan pays, yon distribue zam tout côté, et puis yon kembe munitions, yon vann ni pour dollars américains. Ça faut que li fini. OK? Ça faut que li fini. Et me dit, n'importe gens ça y est, faut que li fini. Mais est-ce que nous devons peur le n'a fait qualité bataille ça yo? Moi me dis non. Bataille pays pas contre facile. Des fois peur. Ou peur critique, ou peur bagay mal que y a dit de ou. Moi garantis. Ou pas gen pays qu'on besoin. Ou a toujours été dans l'esclavage. N'importe qui vagabond sur côté sorti une pas son bêtise. N'importe mon a pensé ou ka vinn faire n'importe bagay dans pays yo. Si Jean-Jacques Dessalines, papa nation ça, tu as bravé danger pour mener combat ça, pour te battre nous, pour te ça, ou même qui sont rabais? Qui sont pépé dit là? Ou peur pour ne pas menacer ou? Ou peur pour que ou pas subir attaque? Ou peur pour que ne pas venir kidnapper ou? Ou peur qui ça?
moi-même dans collectivité a et ça qui cause mon pas j'en peur moi-même dans majorité a moi si majorité a bien vive moi m'a ka vivre en paix défaite m'a ka peur dans sens ça me croit que son vrai combat pour mener OK son vrai combat c'est côté de commencer là pas gain fait back il va dire jamais fait back. C'est ça qui pousse à aller suivre intervention en pile dirigeant africain. Ces derniers temps, baba nous menti, mon petit en Afrique. Mon petit en Afrique, je vraiment camper en mode Africa. OK? Et m'a regardé ça qui a passé en Afrique. M'a regardé jeune président, sa jeune garçon, ça yo qui prend destin yo en main. Prend destin pays yo en main en Afrique. Et n'a eu décidé pour frapper très très fort dans le continent africain. Et il peut-être gagné un pile obstacle devant yo. Mais de fait, il n'a pas peur pour que vous bravez danger. C'est un bail qui pousse continuer camper bon côté yo. Parce que moi que c'est une équipe jeune garçon qui gagne pile courage. OK. C'est ou nan coupe nèg ki gen pile courage. Ve m pran yo comme modèle moi. Parce que si n'ap mené bataille sa ki n'ap mené là, gen de bagay fon tout di tête nou. Nou pa gen doit faire back sou yo. OK, parce que route n'ap fait là, li pa ka déboucher sou l'autre bagay. C'est soit que monsieur éliminer nous pour gen contrôle pays à net ou bien nous même comme peuple souverain. Je décide de dire que ça va continuer de diriger le pays à toujours. Parce que fuck Haïti capable de jouer une route. Li. Et bien, en Afrique, c'est ça, monsieur, vous fait. Monsieur, vous dit que vous même, comme jeune Africain, vous décide de prendre les armes pour combattre une série de politiciens traditionnels qui décide de servir la France sans camper en détournant de une série de pays en Afrique. Et vous dit, quel que soit le prix à payer, il y a combattre le groupe Konze Sayo. Y a combattre groupe esclave de salon sa yo, y a combat yo, combat yo jusqu'à dernier goutte sang yo, jusqu'à dernier retranchement yo. Dans sens ça me dit tête moi, monsieur sa yo, yo mobilise moi. Monsieur sa yo, yo fait moi loin. OK? Monsieur sa yo, yo fait me comprendre pile bagay. OK? Monsieur ça fait me comprendre pile bagay. Il me dit que l'important jodi dans chaque émission que nous gagnons, eh ben pour nous gon spécial. Côté que nous pral fort en d'aider intervention jeune burkinabé sa yo, jeune africain sa yo, OK? Qui décide yo même pour yo prendre destin pays yo en main. Maintenant, nous pour aller dans le pays Burkina Faso. Parce que me dit ça, l'entendel, l'a mobilisé ou l'a motivé ou l'a poussé ou après engagement ou l'a fait pas peur parce qu'on pas gen doit peur. Parce que monsieur ça dit ou pas gen doit peur. Liberté ou pas bay ça. Liberté c'est prendre ou prendre ça. Et bien dans sens ça, pour comprendre effectivement dans quel niveau qu'on doit prendre engagement ou, eh bien, il y a des monde qu'on doit attendre. On a attendu jeune capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État Burkina Faso. Mais il y a l'appareil. Bonjour à tous. Je souhaite donc la bienvenue à tous les jeunes venus des 13 régions qui sont dans la salle et ceux qui n'ont pas pu avoir accès à la salle. À tous les jeunes venus d'Afrique. Pour accompagner la jeunesse burkinabé, soyez les bienvenus au pays des hommes intègres. J'irai rendre un hommage vibrant à nos vaillantes forces de défense et de sécurité et nos vaillants VDP qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso soit et tienne debout. Je souhaite que nous prenions une minute pour prier pour ceux qui sont sur le terrain et aussi pour le repos des âmes de ceux qui sont tombés pour notre patrie. Voilà.
c'est une minute de silence que je prends pour des soldats. Je vous remercie. Qui tombaient sous champ de bataille. Rendons grâce à Dieu qui a permis que nous nous retrouvions ici aujourd'hui à l'occasion donc de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Très bien. En bonne santé. Je le dis très souvent parce que l'être humain oublie souvent Dieu lorsqu'il n'a pas de problème, lorsqu'il est dans le bonheur. Mais quand viennent les soucis, c'est là qu'on se rappelle de Dieu. Rendez grâce tous les jours pour le souffle de vie et pour la santé. Jeunesse. Jeunesse du Burkina, jeunesse d'Afrique. La jeunesse, cette phase de la vie où l'on a assez de force, assez d'énergie, comme le paraphraseur, donc le slammer qui vient de passer. La jeunesse, c'est l'époque où on n'a pas assez de temps. Nous devons profiter du temps qui nous est donné, utiliser l'énergie nécessaire pour atteindre nos objectifs, pour changer le monde, changer notre monde, changer le monde des autres, positivement. Les enfants souhaitent grandir pour être jeunes. Les personnes âgées souhaitent redevenir jeunes. Mm-hmm. Tout le monde veut être jeune. La jeunesse est une bénédiction. Alors profitez de la jeunesse pour faire œuvre utile. Voilà pourquoi quand je vois dans le thème choisi, les deux premiers mots nous interpellent. Intégration, sécurité. L'Afrique fait face à de nombreux défis. Et on doit se poser des questions. La jeunesse est-elle un atout ou un handicap pour le développement des nations? La réponse est simple et sans équivoque. Et vous la savez. Les pays développés ont pour la plupart une population vieillissante. Et actuellement, beaucoup de pays ont lancé des programmes pour rajeunir leur population. L'Afrique a cette chance d'avoir une population très jeune. Mais pourquoi l'Afrique n'est-elle pas développée? Nous devrions donc nous pencher sur la question de comprendre pourquoi l'Afrique à une population jeune et qu'elle n'est pas développée. Et que les pays qui se disent développés cherchent donc à rajeunir leur population. Il faut que nous arrivions donc à transformer notre jeunesse en un véritable atout et un moteur de développement pour notre continent. Et pour ce faire, nous avons besoin d'intégration, nous avons besoin de sécurité, de développement, nous avons besoin de nous unir. Certes, vous entendrez parler de l'Union africaine. Oui, elle existe. Mais quel est l'effet de l'Union africaine en réalité? Nous ne pourrons pas parler d'intégration dans le thème et de ne pas parler de l'Union africaine. Parce que c'est cette organisation qui devrait nous unir, créer l'intégration réelle. Mais nous sommes au regret de voir ces guerres qui persistent sur le continent africain, qui tuent des millions de jeunes, et que cette organisation qui est à la tête d'États pourvus d'armées n'arrive pas à s'organiser pour soutenir certains pays. L'Union n'est pas juste un mot. L'union, c'est un symbole. Et nous, jeunes, devrions apprendre la leçon de cette situation pour nous unir, pour faire de l'intégration une réalité. J'ai été désagréablement surpris lorsque l'Éthiopie, qui abrite donc le siège de l'Union africaine, vivait un conflit. Et quand j'ai vu le premier ministre se mettre en treillis et annoncer fermer l'université à Addis Abeba pour faire face à la menace, je n'ai pas vu l'action de l'Union africaine
pour protéger ses sièges. Les États occidentaux, pour la plupart, voyaient Addis Abeba tomber, ont replié bagages et partir. L'Éthiopie s'est battue, a trouvé une solution interne et vit plus ou moins en paix aujourd'hui. Les enfants du Congo meurent depuis des années. Plusieurs autres conflits, tels au Soudan, existent sur le continent. Nous aurions aimé voir l'Union africaine générer les forces et toutes les stratégies nécessaires pour soutenir ces États pour qu'ils puissent retrouver la paix. Nous ne viendrons même pas parler de nous ici au Sahel. Depuis près de 10 ans, le Sahel est le théâtre du terrorisme international. Mais nous ne voyons aucun soutien de ces organisations pour trouver une solution à ce problème. Pire, il y a quelques jours de cela, un pays étranger à l'Afrique a annoncé ouvertement avoir soutenu et participé à une attaque lâche, terroriste et barbare contre des forces de notre confédération à Tinzawatan. L'Union africaine n'a pipé aucun mot pour condamner cette ingérence. L'Union africaine n'a pipé aucun mot pour condamner cette ingérence d'un État extérieur à l'Afrique dans les affaires internes de nos États. Et ce coup de gueule, je souhaiterais qu'ils l'entendent et qu'ils sortent donc de leur silence et poser des actes pour que la jeunesse puisse croire en l'Union africaine. Merci. Il nous faut nous unir et la seule manière de s'unir, c'est de se parler, de se comprendre et de pouvoir donc asseoir les bases de cette unité-là. Et jeunes, laissez-moi vous dire que pour s'unir, il y a 3 mots, 3 grands vices qu'il faut bannir de nos comportements et de notre vie. Je parle de la lâcheté, t'allais bien, oui? La traîtrise et l'incompétence. Il faut bannir ces 3 mots de notre mode de vie. Et je m'en vais vous expliquer pourquoi. La lâcheté recouvre beaucoup de vices. Un lâche. A toujours peur. Et lorsqu'on a peur, on devient un esclave. Tendez bien, oui, peuple haïtien. Pour les bagailles, entendez, ou pas qu'il doit peur, ou pas qu'il doit lâche. Et pour lâche, ou a peur. Et pour peur, ou vient traite. Et c'est ça qui est important. Aïe, monsieur. Pour me lâcher et pour me mourir. Entendez pas, là, non, papa. 3 grands vices même qu'il faut bannir de nos comportements et de notre vie. Je parle de la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. Il faut bannir ces 3 mots de notre mode de vie. Et je m'en vais vous expliquer pourquoi. La lâcheté recouvre beaucoup de vices. Un lâche a toujours peur. Et lorsqu'on a peur, on devient un esclave. On se plie, on lèche les bottes. Nos ancêtres n'ont pas été lâches. Et si nous sommes lâches, nos enfants vont nous poser des questions. Imaginez qu'au Burkina, nous refusions de nous battre et nous acceptons de nous soumettre, de vivre l'esclavage. Demain, nos enfants grandiront. Ils se poseront des questions. Nos parents ont-ils été des lâches pour nous laisser dans l'esclavage? Que nous soyons vivants ou morts, nous allons le ressentir. Le lâche a peur. Et les impérialistes ont compris, ils essaient de faire peur aux leaders pour que vous soyez des lâches. Parce que quand vous êtes un lâche, tous les autres vices peuvent naître. On fait tout pour que nous ayons peur. Ils viennent dans nos palais,
ils nous menacent directement ou des menaces voilées. Mm-hmm. Bien sûr, nous répondons comme il le faut. Ils essaient de nous faire comprendre. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Kadhafi a essayé comme ça, il est où? Il est mort. Voilà des propos qu'on nous tient de manière voilée pour nous faire peur. Et puis, nous voyons aussi souvent certains jeunes essayer d'emboîter le pas d'une autre manière. On peut les entendre dire « Telle personne a régné ainsi, il a la CPI. Telle personne a régné ainsi, il est en prison. » Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons, ce n'est pas qu'une phrase. Ce n'est pas qu'une phrase, ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Jamais peur. Nous continuerons notre lutte. Aïe, aïe, aïe. Ils ont fait peur sûrement à beaucoup de chefs d'État africains. Vous voyez, souvent quand on s'exprime ou lorsqu'on a l'occasion d'être dans certaines situations à l'extérieur, nous tenons souvent des propos pour interpeller les chefs d'État africains pour qu'on se réveille, prendre soin de notre jeunesse pour pouvoir amorcer notre développement réel. Nous sommes souvent mal compris. Certains ont riposté publiquement à nos propos parce qu'ils se sentent indexés. Mais je peux vous assurer, jeunesse, que lorsque nous nous retrouvons dans les couloirs, ces mêmes chefs d'État nous disent « Vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'il faut faire pour que l'Afrique puisse s'en sortir. » Alors, nous leur posons des questions à savoir « Pourquoi vous ne faites pas comme nous? Pourquoi vous ne nous accompagnez pas ?» Certains nous disent qu'ils ont les mains liées, certains nous disent qu'ils ne peuvent pas. Chers aînés, chefs d'État africains, du haut de cette tribune, donc, je souhaiterais dire que les peuples africains sont les peuples les plus pacifiques. Lorsque vous reconnaissez un tort, il faut le dire au peuple. Que nous n'ayons pas peur demain de sortir et dire au peuple, nous nous excusons, nous avons été compromis, nous avons des biens mal acquis, on nous a compromis par plusieurs choses et que nous demandons pardon et nous revenons sur la bonne voie. Et de commencer à travailler réellement pour l'indépendance de nos États et notre émancipation. Et je pense que c'est possible. Si nous restons dans cette posture de peur, nous serons lâches. Et l'histoire nous jugera. Nos enfants poseront des questions, nos petits-enfants poseront des questions. Nous sommes en train d'écrire l'histoire, il n'y a pas de place pour la lâcheté. Si nos ancêtres avaient été lâches, nous ne serions pas là. Souvenez-vous, je vous prends un exemple des peuples Bamileke et Bassa, je veux parler des Camerounais. L'Union des populations du Cameroun, qui depuis les années 50 a commencé une lutte implacable contre les colons. Mais ils ont été massacrés. Les armées coloniales françaises, en son temps, ont déversé des bataillons d'infanterie, des chars, d'hélicoptères, ont anéanti des villages entiers. Les tortures les plus inhumaines ont eu lieu en cette période. Vous pourrez faire des recherches sur ce qu'ils appelaient la balançoire ou le bac à ciment. Des centaines de milliers de populations ont été décimées ainsi en Afrique, parce qu'ils ont osé demander aux colons de quitter leur terre. Ça aboutit à une guerre civile qui a duré plusieurs années. C'est pour dire que des gens ont osé, ont affronté à main nue les impérialistes pour que nous, nous soyons là. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas affronter les impérialistes
pour que nos générations à venir puissent vivre. Il y a beaucoup d'exemples à travers l'Afrique d'hommes courageux qui ont refusé d'être lâches, qui ont combattu, qui ont fait face. Eh bien, soyons dignes de ces gens. Nous sommes leurs descendants et soyons dignes d'eux. Un lâche ne peut pas être digne. Ne soyons pas lâches, jeunesse africaine. Parce qu'un lâche est toujours un traître. Et ça va de pair. Ils essayeront de nous faire peur pour que nous soyons lâches. Et si nous sommes lâches, nous allons trahir. Il faut bannir la traîtrise de nos habitudes. Des Africains ont été traîtres pour que la traite négrière réussisse en Afrique. C'est parce que des Africains ont été traîtres que la colonisation a pu tenir en Afrique. Interrogeons l'histoire, nous le verrons. Lumumba, Patrice Lumumba a été trahi parce qu'il a osé tenir tête. Et ces mêmes télévisions belges sont venues au Congo pour quelques billets tendus à des individus au Congo pour une interview pour contenter leur population. Et vous avez pu suivre ça. Lumumba nous dérangeait. Il est mort, on est content. C'est de la traîtrise. Beaucoup d'autres héros sont tombés pour que nous soyons là aujourd'hui. Et c'est une technique de l'impérialisme, de faire peur aux autres en menant des actions pour réellement créer la terreur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, Victor Byakabuda. Lisez, vous comprendrez. Il est issu d'une famille de chefs, pas de la chefferie donnée par le colon. Il est un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal, je crois. Il est venu médecin en Guinée. Et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Péchou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes pour que jamais cet esprit de liberté ne puisse germer. Il a continué son combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lutté, mais le plus virulent était Victor Byakabuda. Il représentait une menace pour les impérialistes. Qu'ont-il fait? En plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Boifflé. Quelques heures après, lorsque les populations de Dimbokro ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté, ils ont été massacrés par l'armée coloniale. L'histoire est têtue, les faits sont là. Après sa mort, qui a fait peur à Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont appelé et ils l'ont dit, si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. Il a eu peur et il s'est rallié à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard, il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voix. Et je pense que Thomas Sankara est un bel exemple. Si vous avez peur, vous serez lâche et vous serez traître. N'ayez jamais peur. La lutte doit continuer. Il y a beaucoup d'autres exemples à travers le monde. Et il y a ce phénomène qu'ils ont aussi utilisé depuis belle lurette et qu'ils continuent d'utiliser. Voyez-vous, certains individus, par exemple, se sont retrouvés dans d'autres pays et créés, soi-disant, un gouvernement parallèle au gouvernement du Mali. Vous avez entendu cette histoire. Ce n'est qu'une technique qui a existé dans le temps
Je vais vous prendre l'exemple de Ahmed Chalabi, l'Irak. Ce professeur de mathématiques qui a même été dans le gouvernement irakien a été récupéré par les impérialistes et il a formé ce semblant de gouvernement parallèle à l'Irak aux États-Unis. Et on l'a utilisé pour être donc le mouton de sacrifice. Parce que c'est à lui qu'on a dit de prononcer publiquement que Saddam Hussein développait des armes de destruction massive. Et il l'a fait. Ils l'ont utilisé. Et cet alibi a été utilisé pour tuer des millions d'enfants en Irak et détruire l'Irak. Et vous savez quel a été le sort de Chalabi? Un soir, après une interview, dans l'interview, il disait même qu'il sait que la CIA est sur son dos. Quelques heures après, il a été retrouvé mort dans son lit, mort de crise cardiaque. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. C'est ainsi. L'impérialisme n'a pas d'amis. L'impérialisme vous utilise et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Suivez mon regard. Vous comprenez de quoi je parle. Ça a toujours été comme ça. Le troisième vice que je vous invite à vous départir, c'est l'incompétence. Ah, je reviens encore au mot du slameur qui a marché sur ma langue. L'incompétence, vous comprendrez de quoi il s'agit. L'incompétence est un phénomène très dangereux qu'ils ont utilisé pour détruire la société africaine. Dans nos administrations, il y a beaucoup d'incompétence. Reconnaissons-le. Les incompétents ont beaucoup de place à côté de l'impérialisme. Parce que les incompétents peuvent plomber le développement d'un pays. Les incompétents peuvent vous amener à douter de vous. Les incompétents aiment la facilité. Les incompétents aiment tout pour eux seuls. Les incompétents n'aiment pas ceux qui sont compétents. Ils n'aiment pas ceux qui innovent, ceux qui cherchent. Les incompétents sont dangereux. Lorsque vous êtes éclairé, l'incompétent ne vous aime pas. Lorsque vous voulez innover, l'incompétent ne vous aime pas. L'incompétent sait reconnaître celui qui est compétent et il va le combattre jusqu'à son dernier souffle parce qu'il a peur de celui qui est compétent. Cherchez la connaissance et travaillez, travaillez dur pour être compétent. Bannissez l'incompétence. Parce que, à travers les distractions qu'on veut nous faire adopter, on devient incompétent. Je vous prends un exemple. Les réseaux sociaux sont les publication des informations aujourd'hui. Les gens s'informent à travers Internet et beaucoup de choses. Un jeune qui publie sur les réseaux sociaux un article sur sa ferme ou un projet agricole ou un projet scientifique, je suis jeune, je connais les termes, il n'aura pas peut-être 1000 vues. Mais un jeune qui publie sur des futilités, ce que moi j'appelle du n'importe quoi, il a des millions de vues. Justement, comme disait le jeune slameur, on veut vous faire perdre du temps dans les futilités. Prenez conscience, intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance, cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien, mais on doit travailler d'abord, avant de se distraire. Cherchez la connaissance, sinon vous perdrez du temps à ne rien faire. Et la jeunesse, c'est l'époque, c'est la période où il faut exploiter son temps à bon escient. Les impérialistes le savent. Voilà pourquoi ils vont multiplier tout ce qui est événement de distraction.
ils vont multiplier tout ce qui est événement qui peut vous détourner du travail pour que vous soyez des incompétents. Et en ce moment, quand vous êtes endormis, on choisit les incompétents pour diriger tout ce qui est structure importante. Et vous n'avez le choix que de vous plier. Ne soyons pas incompétents, cherchons la connaissance. Les incompétents se cachent souvent derrière des mots. Ils emploient les termes de démocratie, de liberté, sans se rendre compte de quoi il s'agit. Camarades, la démocratie est un état d'esprit, autant que la jeunesse est un état d'esprit. C'est soi-disant démocrate, mais regardez le monde. Comment est-ce qu'on peut vouloir imposer la démocratie en tuant des millions de personnes? C'est de la dictature, ça, ce n'est pas de la démocratie. Ça ne s'impose pas. Ceux-là qui se disent démocrates, mais regardez, nous avons vu des scènes où on a empêché des gens de rentrer dans des assemblées. On a vu des scènes où des forces ont débarqué dans des assemblées pour obliger les députés à prendre des textes. On a vu des scènes plus terribles que ça, où les gens tuent leurs manifestants. Mais eux, ils s'appellent démocrates et nous, on nous appelle donc des putschistes. Si c'est ça la démocratie, je répète, nous ne voulons pas de cette démocratie. Et quand vous voyez souvent les incompétents, ils ne cherchent pas à savoir quelle est la signification du mot démocratie en réalité. Ils s'accrochent juste à la définition qui lui a donné l'impérialisme et ils se mettent à parler de démocratie sans réellement connaître le fondement. Ça, c'est de l'incompétence. Il faut chercher à connaître, avoir la connaissance, regarder le monde pour redéfinir la démocratie telle que nous le voulons en Afrique. Les incompétents se cachent derrière les libertés. Retenez une chose, il n'y a pas de liberté individuelle qui existe. C'est un fait. Vous pensez vraiment que chacun est libre? La liberté est collective. Tant que nous vivons dans une société avec des règles, la liberté est collective. Parce que si vous ne respectez pas les règles, vous ne pouvez pas vivre dans la société. Si vous êtes libre de parler comme vous voulez, l'autre aussi est libre de vous répondre comme il veut. Ça sera du désordre. Si vous êtes libre de rouler dans la rue et de passer le feu au rouge comme vous voulez, l'autre est libre de passer aussi et de vous cogner. Ça, c'est désordre. Merci en pile, jeune capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État dans le pays Burkina Faso. Et bien, papa, ici, nous te trouvons extrêmement important pour que nous portions rubrique ça pour dans l'émission. Nous pas intervenu, mais nous avons tourné pour lui chaque 6 heures PM dans le pays d'Haïti, et bien justement pour que nous portions tout détail pour vous. Que bon Dieu bénisse chaque gars dans nous qui t'attendait et garder l'émission. Que bon Dieu bénisse Haïti chéri nous. Moi, nous en pile, que bien là, pas la guerre. Info Beto, Zami Panou, Cavalier Polkano. Comme on a dit Philippe, pas qu'il t'a parlé, branché Pita, et bien, on a obtenu l'intervention. C'est très important. Kebela.